Bien le bonjour à tous, ici Shuki0030 et bienvenue pour un nouveau let's play. Et cette fois-ci, ce sera sur le jeu So. C'est parti. Ah, ça va, c'était facile. Ah, c'est bon. Laissez-moi tranquille. Allez. Du coup, on va se faire une petite nouvelle partie. Ah, mais je pense que j'avais une sauvegarde. Je pense que j'avais une sauvegarde. Le jeu, je l'avais déjà commencé il y a longtemps. Nouveau jeu. Confirmer le nouveau jeu. On y va. On a deux choix de trucs. Normal et dingue. Normal. Difficulté normale, c'est bon. Je pense que le jeu il va être basé surtout sur de l'énigme. Alors, je sais pas trop si ça vaut le coup de le mettre en dingue. En tout cas, de ce que j'avais retenu, les combats étaient un petit peu à chier. Bon, on va s'ouvrir une canette, hein. Oh bordel. La fameuse machine, pardon. Y a rien qui va quoi. Bonjour inspecteur Tap. Je veux jouer à un jeu. Votre désir de m'attraper a détruit votre vie et celle d'autres personnes. Oh super. En épuisant toutes les ressources possibles, vous avez sacrifié des vies à la recherche de la vérité. Oh putain, qu'est-ce que t'as fait Tap? Vous avez perdu votre famille, votre badge et même la vie de votre partenaire, l'inspecteur Singh. Oh, quel enfoiré ce Tap. Vous avez laissé votre santé rongée par la balle qui vous a troué la poitrine. Mais vous avez tenu bon, hein. Nous allons voir si vous pouvez vaincre votre obsession. Vous vous souvenez évidemment de l'appareil attaché à votre mâchoire. Oh, c'est l'une des pièces à conviction de votre enquête. L'un de mes premiers... Oh, voici ce qui arrivera si vous perdez. Ah, super! C'est ce qu'on veut. Libérez-vous de l'appareil et poursuivez-moi et restez assis ici. Ou restez assis ici à attendre qu'il vous tue. À vous de choisir. Oh, vas-y. Oh là, il est énervé. C'est parti. Oh! Ça, c'est quoi LS? Je sais pas c'est quoi LS. Ah, X. Oh, mais je sais plus où elles sont les touches, moi. Oh, j'aurais dû le laisser crever en vrai. Hein. Où es-tu, tueur au puzzle? Je ne veux pas jouer à ton jeu, pas question. Ok, ça y est, le jeu est lancé. Ah, on retrouve les commandes de cette bonne vieille Xbox 360, putain. La nostalgie, c'est le jeu de la nostalgie. C'est dommage que les modos ils puissent pas réécrire le titre du stream en vrai, tu vois. Donc là, si je me rappelle bien... On peut pas faire grand chose. Oh, je peux me battre. Tu vois, je peux me défendre comme ça là. Ou mettre des coups, regarde ça. Wouah. Oh, le boxeur. Oh, j'ai un briquet. Je peux allumer un briquet. Donc il me semble que si on ferme les portes, ça nous donne un code. Regarde Didi, j'ai mis mon plat. Bravo. Du poulet avec du riz. Oh. Dégage toi. Ok. Donc là, normalement, on a le code 437. 437, ça doit être le code pour sortir. Ça va, il était pas très gros. 4. 4, 3, 7. Ah. Oh là là, ça y est. La première énigme faite.
Trouvez l'indice suivant du tueur au puzzle. Par ici, vous m'entendez? Oh. Qu'est-ce qu'il y a sur cette télé? Ah, le mec me regardait en fait. Point de sauvegarde. Pour sortir de cette pièce, il faudra travailler en équipe. Activez le panneau pour ouvrir les deux portes. L'inspecteur Tab, vous devez trouver l'objet dans les toilettes pour débloquer le panneau. Ah ! Les toilettes contiennent des objets laissés par les toxicomanes. Ah, c'est bon ça. Allez, inspecteur, fouillez les déchets des autres. Comme vous avez, vous forcez les autres à fouiller les bottes. Si l'un de vous échoue, les bombes situées dans la pièce se déclencheront. Dépêchez-vous. Ouais, j'imagine, bah, c'est la base. Hein. Allez, vite. Vite. Oh là là. Cherchez le fusible dans les toilettes avant que c'est la douleur. Utilisez ensuite le fusible dans le compteur. Acceptez. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça y est, il va mettre le bras dedans. Et comment je fais là? Oh putain. Oh là là. Ah ah. C'est dégueulasse. Je l'ai. Insérer le fusible. Ouais, ça pique ça. C'est bon, ils ont réussi. Ah non, mais d'accord, moi j'ai libéré mon pote, mais j'ai pas libéré moi en fait. La porte est scellée. Vous êtes pieds nus, certains éléments de l'environnement peuvent vous blesser, par exemple le verre devant vous. Ah ouais, mais d'accord, faut que je me concentre. Aïe aïe aïe. Ah mais je vais saigner des pieds quoi. Bon, il faut que j'aille réviser moi. A plus patate. Merci d'avoir été là, ça fait plaisir. Moi je vais faire fonctionner mon cerveau de manière différente grâce à ce jeu d'énigmes surprenant. Je crois qu'il n'y a rien à chercher ici, la porte est scellée, il n'y a rien à chercher. Bonne révision à toi. On y croit. Fin mai, c'est fini. C'est vraiment dégueu les steaks à 5%. Non. En vrai ça va, les steaks à 5% c'est pas mal. C'est les meilleurs. Hein. Tu préfères lesquels? Ceux à 15%, à 20%? Maintenez Y pour allumer une source de lumière. D'accord, le briquet. Ah, il y a un bruit. Moi, je me fais déboîter sur un boss de Dark Souls 3. Aïe, aïe, aïe. Ça ne s'arrêtera jamais, donc. Je ne l'ai pas, ce flic tape qu'il a. Oh là là. Oh, il y a un mec qui se fait déchirer la gueule. Oh là là. À l'ancienne. Oh, génial. Oh super! Heureusement Arkane il est plus là. Hein. Il aurait pas supporté. Putain, le mec s'enfuit quoi. Certains apprécient la vie que lorsqu'ils doivent sauver la leur. Ils traversent l'existence en pensant que le monde leur offrira tout. Je leur fais prendre conscience de la mort et des sacrifices qu'ils devront faire pour rester en vie. Nous verrons quel sacrifice vous ferez leur venue. Waouh! Bah, ceux que j'ai pris, le goût est pas ouf, alors que c'est Charles. Bah, à ce qui paraît, Charles, c'est dégueulasse. À ce qui paraît, Charles, c'est pas une marque qui est ouf. Ouais, je sais pas. Waouh! Will you appreciate your life? Appréciez-vous votre vie? Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'irai. Bon, enfin, bon, en même temps. Bah, je sais pas, moi on m'avait déjà dit que les steaks Charles c'était pas ouf.
Pourquoi il y a un cochon là? Qu'est-ce que c'est ce cochon qui me poursuit? Qu'est-ce que c'est? Espèce de flashback. Perso, j'aime bien. Mais moi, j'avais déjà goûté. C'était bien. C'était bien, j'avais pris du charal et tout. Je sais pas, les steaks, ils étaient bons et tout. Puis, peut-être y en a qui aiment pas. Peut-être, je sais pas, après pour le prix ou quoi. Dossier. La construction de l'asile de Whitehurst. Mais ça faisait longtemps que j'avais goûté. Pour les aliénés est terminé. Nous avons réussi, je l'ai répété maintes fois au personnel, mais je le répète à nouveau. Je crois que nous pouvons faire ici une réelle différence. Nous pouvons changer des vies. Je remercie chacun d'entre vous pour son aide précieuse. Cordialement, le docteur Daniel White. Alors, on est dans un ancien asile, quoi. Est-ce que tu vas apprécier ta vie? Oui. Charal, c'est super bon de base, donc c'est pour ça que je pensais que c'était à cause du 5%. Faites-moi sortir d'ici, il y a une femme là. Point de sauvegarde, parfait. Bah oui. Généralement, quand c'est au-delà de quand ça commence à être 10%, 15%, enfin 15% là, ça commence à être chaud quoi. Tu commences à avoir une sacrée masse de gras dans ta poêle. Cadavre recherché. Une seringue de santé. Oh yes. Et ça, c'est quoi? Une cassette audio. Tab sera là bientôt, c'est la première victime de son obsession. Il devrait l'entendre, mais elle est droguée. C'est comment marche ce qui arrivera s'il ne libère pas à temps. Cacher la clé de sa cellule. Et nous verrons si l'inspecteur peut protéger ses témoins. Sauver la femme dans la salle de l'opération. Ok, on doit sauver la femme dans la salle de l'opération. L'asile, pour... Le 2 juin 1885. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qui se passe? Le 2 juin 1885, en fait, l'asile de Whitehurst pour les alliés est ouvert aux patients les plus violents et aux cas les plus désespérés. Après le suicide de mon père, du fait d'une maladie mentale, j'ai juré de contribuer à la réhabilitation de toutes les personnes perturbées ayant besoin d'aide. Cette asile sera un pionnier en matière de traitements médicaux traditionnels et expérimentaux cardialement. Le docteur, oui, on sent ça. Oh là là, il m'a tapé! Désolé mon gars, ça fait partie du jeu. Pas m'en vouloir, j'attrape vite un truc à votre place. Ok. Le mec il veut se battre mais à la loyale quoi. Ok, comment je fais? Ramasser. Maintenez LT pour passer en mode position de combat. Avec vos poings ou une arme, puis appuyez sur A pour une attaque légère et X pour une attaque puissante. Bloqué avec B. Vous avez plus de chances de sauver en ramassant des objets de l'environnement. Lâchez votre arme en appuyant sur LB. Ok. Là, je suis en mode attaque, là. Je suis en mode attaque. Tiens! Merde! Non, non, non! Arrête! Arrête de m'attaquer! Tiens! Saloperie! Tiens, ça me... Vous deviez me libérer si je ramenais ici. Le chef est pour moi. Il n'a pas été assez malin. Il est mort. Recherchez les objets. Oh, j'ai trouvé une clé. Super. Comment je fais pour prendre ma seringue? Ma seringue que j'ai trouvée par terre à côté d'un homme mort, là. Qu'est-ce que ça donne confiance, ça? Super, bon. Juste, je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de... Tu sais, c'est le jeu, c'est vraiment le jeu couloir, quoi. Il n'y a pas moyen de repartir en arrière. Le tout est scellé. Le seul truc qu'on va pouvoir trouver, à mon avis, c'est d'être des seringues à droite à gauche. Et des notes. Nombre d'entre vous se demandent comment échapper. S'échapper. La réponse est simple. Trouver l'inspecteur David Tapp. J'ai placé une clé dans son corps. Cette clé est votre seule issue. Faites nécessaire pour survivre. Ok. Super. Il a vraiment envie qu'on crève, quoi. Dans d'atroces souffrances. Demain j'ai du taf, il s'est passé un truc dans l'immeuble ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'immeuble ce matin? Ah merde! Putain! Le verre par terre. Le truc auquel tu fais pas attention. Quoi. Le tueur au puzzle est piégé. A piégé les portes de l'asile. Appuyez brièvement sur la touche appropriée lorsque la poulie descend. Si vous appuyez sur la mauvaise touche et que vous appuyez... Si vous appuyez sur la mauvaise touche ou que vous n'appuyez pas sur la bonne touche, à temps, vous recevrez une balle.
D'accord, bon, mais là c'est. Ok. Ok, c'est X. Non, mais ça va être dur là. X, Y, B, A. J'ai du mal avec les touches. Moi je suis PlayStation quoi. Ça c'est terrible quand on switch de console. Certaines portes verrouillées peuvent être crochetées avec des objets que vous trouvez. Ah, j'ai trouvé un clou. Je me suis injecté une seringue, elle a pas fait effet parce que j'ai pas assez appuyé. J'ai relâché, enfin c'est n'importe quoi, enfin, bref. J'ai retiré la balle de votre corps dans lequel j'ai cousu une clé. Oh, super! Oh, c'est génial! Et voilà, j'ai trouvé un clou dans un. Voilà. This is the key to your survival. Super! Vous avez fait une erreur. Et vous avez pris une balle. J'ai demandé à quelqu'un de vous soigner et vous vivrez. Lors de l'opération, j'en ai profité pour placer une clé dans votre corps. Cette clé vous est inutile. Mais pas aux autres. Survivrez, je doute. Survivez, je doute que l'un d'entre eux ait l'expérience chirurgicale nécessaire pour extraire la clé sans vous tuer. Ah, c'est ça qu'on aime. Bah, je descends des escaliers ce matin, et là il y a un mec, il rentre précipitamment chez lui. Il était essoufflé, en tenue de sport, je voulais dire bonjour, mais il était tellement speed, j'ai pas pu, donc je continue à descendre les escaliers. Et là le mec me dit bonjour, désolé, j'ai pas entendu que vous m'aviez dit bonjour. Mordorel, le mec, s'il savait que j'ai jamais dit bonjour... Hein? Mec, ouais. Mec, il savait plus où il était, quoi. Il a trop couru. Il entend des voix dans sa tête. Certaines portes sont reliées à des casse-têtes. Pour les résoudre, faites tourner chaque pièce afin qu'elle corresponde au symbole pour. Symbole sur l'anneau intérieur de la chambre. Faites correspondre tous les symboles le long de l'anneau. Bon, ben, déverrouillé. Alors. Fais quelque chose, Herzep. Vas-y, fais quelque chose. Ah. Ah, merde. C'est terrible. Oh là là. Génial. C'est dans le thème du jeu. J'ai tout tenté pour éviter les extrémités et tout. Une clé, même. Ah. Ouais, Jésus. Jésus, viens avec nous, s'il te plaît. On a besoin de toi, là. Quoi ça vient? Oh là là. C'est honteux. Yo, oh, comme du LED, oh, comment ça va? Ça va bizarre, comment?
concernant les procédures chirurgicales à l'asile. Le patient, un patient avec une morsure n'est pas aussi important que le patient qui nécessite la peine. Vous entendez, soi-même leur propre test. D'accord. Bah, tu vois, on est en train de découvrir des jeux en fait sur la chaîne. Donc bon. Ah, c'est sûr que c'est pas du Terraria. Hein. Ça n'a rien à voir. Verrouillé depuis l'autre côté. On continue d'avancer, Toujours faire attention au bris de verre par terre. Et voilà, t'es toujours sur Terraria? Tu fais toujours du Terraria? Ou t'es tanquillé sur un autre jeu un peu? Tiens, je me lave les pieds là. Y'a quoi là? Y'a toujours des choses horribles dans les chiottes. C'est quel... Ah, c'est quoi pour allumer le briquet? Ah mais je peux jeter l'arbre, je crois, il me semble. Voilà. Et là, je peux allumer mon briquet. Toujours regarder ce qu'il y a dans les chiottes. Hein. On sait jamais. On pourrait trouver une aiguille à s'injecter, quoi. Là, on ramasse. Là, c'est bon. Ah, j'ai le nombre de coups maximal que je peux taper avec mon objet, quoi. Il y a une durabilité de faible. C'est le toilette qui pisse, quoi. Le monde à l'envers, ouais, c'est ça. Il n'y a plus de sens. Je sais pas si je dois garder la... Oula, j'ai chaud. Oh, j'étais pas concentré, j'étais en train de regarder le chat et tout. The key to survival lie within. La clé de la survie est à l'intérieur. Pourquoi lie... What? Lie, ça veut pas dire mensonge en anglais? Lie? Oh là, y a quoi là-dedans? Certains murs de l'Asie sont pourris et fragiles, brisez-les pour trouver un nouveau chemin. Dossier. Note de White Earth, 15 décembre 1897. Certains d'entre vous ont remarqué que des murs commençaient à se gondoler et que d'autres étaient perméables. Veuillez évacuer tous les patients violents de ces zones car ils risqueraient de s'échapper par ces murs. Le responsable de la construction m'a assuré ce matin que c'était le bâtiment qui se mettait en place sur les fondations. En espérant que cela vous aide, le docteur Daniel Whitehurst. Donc à mon avis, si on tape là-dedans, je me mets en mode... Oh! Tiens, regarde ça! Et là, il me faut un fusible. Là, je vais me faufiler là-dedans. Alors que je trouve un fusible. Tiens, bah il était là le fusible. Oh, quel énigme de fou là. Ah ah. Oh là. Sauver la femme. Oh, voilà 4 corps prêts à être découpés. Seul l'un d'eux vous permettra de continuer. Mais la lame pourrait vous trahir. Choisissez judicieusement. Oh, oh. Super. On va découper des corps. Moi, j'adore ça. Moi, ça me plaît, ça. Quelles informations le jeu nous donne? Merde.
Une seringue de santé. Et c'est des mini-jeux qui te feront accéder au... Alors... Comment je sais si c'est la bonne truc ou pas? La porte est scellée. Est-ce que je peux péter ça, déjà, pour commencer? Non. J'ai mal fait. L'inspecteur Todd ne va pas tarder. Suivez mes ordres. Placez dans le bon corps ce qui l'aidera à continuer. Préparez-vous, c'est l'inspecteur Fouille le mauvais. Genre, il y a une bombe. Étiquette d'identification. Jim Omen. Marvin Johnson. Il y a toujours un mec qui s'appelle Johnson, quoi. Non, c'est... Dans les films, dans les jeux. Tom Robinson. Ok. Arney Paulner. Ok. Donc là, on a le... Omen. Nana. Ah ben voilà, regarde. Faulkner. Bah, c'est lui. La clé, elle est là-dedans. Elle est dans celui-là. Ouais, c'est bien. Passe-moi le scalpel, écoute. Fouiller. Ah! Voilà. On l'a. La clé. J'ai déjà réussi votre test. Vous auriez pu. Vous avez choisi de laisser votre dépendance avoir raison de vous. Oh! Ne soyez jamais dépendant. Ne fumez même pas la clope électronique. Est-ce que pour vous, la clope électronique, c'est genre vraiment... C'est quelque chose... Pour lequel on peut être dépendant ou pas. Enfin, je sais pas s'il y a la même addiction, tu sais, que la clope normale, quoi. Voilà, j'ai fait mon TikTok avec ma cafetière, c'est en ligne. Oh là là. Mais je suis sûr... Mais c'est obligé que ça va faire plus de 15 vues, quoi. Il y en a sans nicotine, ouais. Il y a des jeunes partout. On vous envoie... C'est vrai qu'il y a des jeunes partout. Vous nous envahissez. Vous pouvez verrouiller certaines portes en appuyant sur X. Cela empêchera la plupart des ennemis de les réouvrir. Porte. Déverrouiller. D'accord. D'accord. Ouvrir. Et donc, par exemple, là, je ferme la porte, en gros. C'est ça. Et là, je la reverrouille. Ok, d'accord. Je vais donner une note sur 20 à ce jeu à la fin. Oh, c'est des trucs pour la polio, là, ou poumon d'acier. Apparemment, il n'utilisait pas de la même façon, hein, quand même, ici. Hein. On retrouve le chiotte qui nous pisse dessus. Mais on a fait le tour pour rien, là, il me semble. Pas moyen de taper un sprint. Ah, c'est par là qu'il faut aller. Ah bah non, c'est là d'où on vient. Ah, ouvrez la porte. Attends, là je suis perdu. On est arrivé par là. Attends, mais on a chopé la clé. Oui, on a chopé la clé d'une porte qui était fermée. Oui, c'est ça. C'est ça. Celle-là, probablement. Allez, on nickel. Oh là. Sauver la femme dans les... Non. Il n'est pas doué lui. Hein. Oh, je veux voir le TikTok à Sabrina. Oh, je le verrai plus tard. Il y a combien de vues déjà? C'est un endroit de l'Asie.
sont plus dangereux que d'autres. Utilisez RS pour prendre cher ces dangers et RS pour garder l'équilibre. D'accord, RS, c'est celui de droite et LS pour franchir. D'accord. Donc j'arrive, je fais comme ça. Allez, en avant. Waouh. 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 Super. Qu'est-ce que c'est que ça? You, rescue. Rescue R. Détective, tap. Je me recoupe. Allez-vous la sauver, c'est ça? Est-ce que je peux aller dans cette porte-là? Cette porte-là. Non, là c'est verrouillé, il faut une clé. Point de sauvegarde, le point de sauvegarde. C'est très important. Bah, elle fait combien de vues là, Sabrina, pour le moment? Les pansements. Ça c'est pour mes pieds. Bah, alors? J'appuie sur... Le jeu est buggé. Ou alors les pansements, c'est un truc qui te redonne un petit peu de vie directement. Et donc comme j'ai la vie à fond, et ben les prends pas. Ce qui est chiant, c'est que là j'ai un scalpel pour me battre. C'est pas mal. Mais du coup, je peux pas mettre le briquet pour voir. 53 vues. Oh, t'imagines le mec, il met des vidéos de tout et n'importe quoi, genre de... Il prend une canette, il l'écrase, il... tu sais, des conneries comme ça, quoi, tu vois. Et genre, il fait que ça, des trucs à la con. Des trucs à la con. Et genre, il fait des milliers de vues. Mais tu sais, des fois, il suffit d'un truc, mais vraiment bidon, en fait. Et qui tienne en haleine les gens, tu vois, et qui veulent savoir ce qui se passe. Et... Genre, tu mets un truc con, mais tu prends un petit pétard, tu le mets dans une canette, et les gens, ils veulent savoir ce qui va se passer à la canette, tu vois. Et en fait, ben, ça tient là. Ça tient les gens. Classeur, rien de trouvé. Là, j'ai trouvé quoi, là? Ah, pharmacie. Oh, comment ça, c'est chiant, ça. Hein. Le A. Le X. C'est pas mal. C'est chiant, mais ça permet quand même de... Seringue de santé, très bien. Boîtier électrique déverrouillé. J'ai besoin d'un petit machin pour déverrouiller le boîtier électrique. Ça permet d'apprendre des touches, j'allais dire. Voir sur les étagères s'il y a quelque chose. Putain, c'est vrai que c'est sombre. Tu sais, les jeux, ils étaient sombres. Hein. C'est la nostalgie, là. C'est vraiment la nostalgie. Là, la Xbox 360, c'est vraiment la nostalgie, quoi. Putain, c'est la nostalgie, là. C'est le jeu de la nostalgie. Note. Non. Rayé. Patient numéro mes couilles. Date. 14 avril 1998. J'avais 6 ans. Consultation, note du médecin. Selon les premières observations, Rayé s'exprime bien et semble avoir des pieds sur terre. Patient de 34 ans, marié depuis 2 ans, femme enceinte de 4 mois. Ni la nécessité d'un traitement psychologique, mais a maintenu le rendez-vous à la demande de sa femme, qui a insisté pour qu'il vienne du fait de sa tendance croissante à l'isolement. Le patient s'exprime extrêmement bien et est très observateur. Les premiers traits révèlent un QI très élevé avec une mémoire extrêmement développée. Rayé s'est montré fier de son intelligence et de ses connaissances, a tendance à vouloir souligner les faiblesses des autres, insiste sur le fait que ses changements de comportement sont provoqués par sa femme qui ne le comprend plus. Le patient est poli et cordial, mais buté. Il semble apprécier le fait de donner des réponses masquées et d'essayer de tromper son interlocuteur. Le patient fait preuve de calme et de maîtrise, il semble n'éprouver aucune émotion envers les autres et manque d'empathie. Il exprime oralement une véritable affection pour sa femme et son futur bébé, mais ne le montre pas ouvertement. Après une première consultation, Rayé ne se ressent pas le besoin d'avoir d'autres entretiens. J'ai recommandé un rendez-vous de suivi avec la possibilité d'annuler dans les 24 heures au cas où il changerait d'avis. Le patient montre une tendance à la dépression et à un trouble de personnalité narcissique. C'est peut-être le mec du jeu en fait, hein.
Mon compte n'a plus de sens, il n'y a qu'une vidéo. Et c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Ok, si là il me donne une batte de baseball, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Verrouillé de l'autre côté. Pourquoi là j'aurais une béquille à ramasser? C'est quoi ça? Oh là. Il y a un ennemi là, je le sais, je le sens. Moi je ferais tout pour trouver des trucs pour passer par là, mais bon. Oh là, qu'est-ce que je suis fort. Si. Est-ce que je suis. Si je vais dans paramètres comme ça, que je vais dans. Blablabla. Le gamma quoi. Voilà. Ça va peut-être mieux. Ça sera peut-être mieux. Ah, peut-être mieux en vrai. J'aime bien quand les, le gamma est un peu élevé. Et les jeux ont tendance à toujours être un peu trop sombres. Le jeu te plaît pour l'instant? Ouais, bah écoute, ça se laisse jouer, ça se laisse jouer. Putain, j'ai encore marché dans les. Dans le vert. Ah, tiens, ça m'a pas fait mal. Verrouillé de l'autre côté. Ok. Est-ce que je peux passer par la fenêtre, genre du style. Non. Pas fan quand le gamma est élevé. Mais moi je trouve que c'est toujours mieux pour les vidéos en vrai. Ça permet aux gens de mieux voir. Je pense toujours à ça. Après si je faisais pas le. Si je faisais pas le jeu en vidéo, je l'aurais laissé tel quel, mais bon. J'ai tendance à toujours le mettre un peu plus haut. Prochaine vidéo, un sucre qui tombe dans le café. Allez, let's go. Tu la mets demain. L'inspecteur Tass sera bientôt là pour vous libérer. Il est plus rapide que je le pensais. Le flic qui vous poursuit et qui m'a interrogé, pourquoi? Darkness also illuminate. C'est quoi Darkness? C'est quoi? Les ténèbres sont aussi. Also, ça veut dire aussi. Je sais plus. Je sais plus. Il y a quoi dans. C'est quoi ça? Ok, j'ai trouvé un fusible. Là, j'ai rien trouvé. Rien trouvé. 265 vues, ils sont sérieux, c'est fou. Et moi avec mon TikTok sur Terraria qui a fait 2,5 vues là. Vas-y, c'est bon, j'arrête. J'arrête tout. Tiens, prends-le ton fusible. Wow. Oh, il a pété le truc. Ça me montre le chemin. Ah non, il va falloir que je fasse un. Ça fait un dessin. Et là, qu'est-ce que je dois faire là? Tout est dans. La solution d'un puzzle réside dans ces pièces. Il faut parfois savoir regarder les choses sous un angle nouveau. Là, t'as un pistolet. Ouais, t'as un pistolet, quoi. Ne vous perdez pas, inspecteur. Il faut parfois chercher un. Pour trouver l'évidence. Eh ben, c'est bon, hein. Là, il y a le pistolet. Hein. Attends! Ah mais attends, sous quel angle il faut le regarder en fait, c'est ça le truc. Oui. Et après? Ah, je sais que je suis beau. Oh putain!
Oh, ça m'a presque fait peur. Mais en fait. Fais une vidéo quand tu sors tes poubelles. Mais en fait, TikTok, c'est trop un truc, tu peux troll quoi en vrai. Il est là pour affronter son obsession et faire son choix. Faire un choix. Votre vie dépendra de sa décision. Oh là là. Il a laissé d'autres gens se faire enlever. Bon alors. Rien trouvé. Tac. Ok, on prend le fusible. On met le fusible là-dedans. Ça éclaire la lumière. Voilà. Paf. Là, ça génère le pistolet. Mais après, on sait pas trop ce qu'on va faire avec ce pistolet. Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que je vais faire avec cette merde? C'est quoi? Eh ben. Ne vous perdez pas. Il faut parfois chercher pour trouver l'évidence. Ça y est, le jeu m'a eu. La solution ne peut résider dans ces pièces. Il faut parfois savoir regarder les choses sous un angle nouveau. Et c'est quoi ça là? Ah, pistolet. Ah voilà, le coupleur. Ah. Oh, oh putain, ça a pété. Vite, vite, vite. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, vite. Vite, l'échelle, utilisez l'échelle. C'est qui ça? Oh, y a un mec qui me regarde, là. On a failli mourir. Ah. Il est passé où ce gars-là? Oh mais c'est sûr il va nous affronter. Je me prépare au combat. Il est où ce... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh t'occupe. Ok, un pansement. Retrouvez la clé cachée dans le corps de l'inspecteur pour vous libérer de vos pièges. Certains choisiront d'être... Choisiront d'être quoi? Apathiques, d'autres seront plus agressifs. Seul l'inspecteur Tap peut mettre un terme à vos souffrances. Ouais, comme si on ne le savait pas. Le jeu nous fait bien comprendre. Je suis fâché, Max, pourquoi? T'as fait une vidéo où tu fais une truc cafetière là, t'as fait 200, 300 vues. N'approchez pas. Tiens! 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 Tiens, saloperie va. Putain, ce combat épique, bordel! Il était trop bien quoi. Le mec avait joué, j'ai juste tué un mec pour rien en fait. Oh, ce combat était fou. 481 plus que ma vidéo d'invocation. Oh. Venez, on troll TikTok, on fait que des vidéos de merde. Venez, on fait ça. Sans déconner. Franchement, on croit faire des trucs qui intéressent, mais en fait, on sait pas. Deux pizzas achetées. Oh non, vas-y. Oh non, non, non. Commencez pas à faire des blagues à la con, là, s'il vous plaît, merci. Sinon, je retire l'épée. Hein. Ouais, ça va, ça va. On n'a rien dit, ça va. Ça va.
Comment ça, retirer l'épée? Ouais. Je retire l'épée, hein. Je retire l'épée pendant un jour. Max, il fait ses courses. Non, t'inquiète, tu vois, des trucs qui n'ont pas de sens, je vais en faire, tu vas voir. Tu vois ce que c'est, des trucs qui n'ont pas de sens. Un clou, j'ai trouvé un clou. Oh putain. Oh génial. Le fusible. Alors. Alors comment ça marche ça? Je suis pas électricien moi. Hein. Là, il y a des... C'est quoi ça? Je sais pas. J'en sais rien. Oh! Ok, j'ai compris. J'ai compris. Faut que je branche les deux. Oh, je suis trop fort. Sauver la femme. Vite, on va sauver la femme. En plus, elle se prend 2 secondes à faire. Tu me diras s'il y a plus de vues encore. Au bout d'un moment, ça finit toujours par arrêter. Je me rappelle d'une vidéo sur YouTube. C'était un truc de taré. C'est un mec, il fait péter. Je vous promets, c'est la vérité. Un petit pétard, mais genre il est tout petit quoi. C'est un petit pétard à mèche comme ça, mais il fait genre 1 cm. Même pas 1 cm quoi, un truc tout micro comme ça. Le mec il zoome dessus, tu vois genre il allume la mèche, ça fait psss, et ça fait. Ça, genre, même pas ça fait un petit bruit sous, ça, genre ça fait paf comme ça. Et genre la vidéo elle a fait 2 millions de vues. Un clou. Mais genre ça fait une vidéo de merdique. Bah attends, faut que j'essaie de la retrouver quoi. Little. Comment ça se dit? Pétard en anglais c'est crack. Firecracker. Little fire. Attends. Little Firecracker. Non. Non. Non, mais je pense que je vais pas réussir à la retrouver. Non, mais la vie elle y est plus. Ouais. Ok, nous on reprend là. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu labyrinthique en vrai de vrai. Attends, est-ce que c'est par là qu'il faut peut-être aller? Non. La morgue. Là on revient un peu sur nos pas. On appuie sur le bouton. Il y a les portes qui sont là peut-être. Ah oui, il y a quelque chose par là. Donc c'est bien pas. Porte scellée, non c'est pas par là. On va revenir là-bas. Ça va pour ton perdu dans le jeu? Non pour le moment ça va. C'est vrai que c'est un peu labyrinthique pour revenir sur ses pas parce que ça. Merde, j'ai marché dans le verre encore. Oh chaud. Putain, les murs pourris. Je sais pas si ça. Non. 789 vues, quoi. Ça continue. C'est beau, les gens, ils regardent la vidéo, ils pensent que ça va, il va se passer quelque chose. Vas-y, fais une vidéo où tu tires la chasse. Ça va faire. 2500 vues, quoi. Voilà, un mec très agressif. Parfois, le verrouillage d'une porte ne suffit pas pour empêcher les ennemis d'ouvrir une porte. Verrouiller. Déplacer un objet lourd devant la porte en appuyant sur A tout en vous tenant à proximité d'un objet de barricade.
tout en vous tenant à proximité d'un objet de barricade. D'accord. Donc il faut que je ferme la porte comme ça. Que je verrouille. Et que je pousse. Et alors? Voilà. Ok. Et là le mec est bloqué à tout jamais quoi. Bon, il a poussé cette espèce de tas de... Ouais bah c'est des livres en même temps. Donnez-moi la clé. Non. Lui il est agressif. Faut faire gaffe. Ce mec est très agressif. Ah. Ramassez la cassette audio. Wow. Sur le bureau se trouve le badge du partenaire que vous n'avez pas su protéger. Pratique. Il va vous permettre de libérer le témoin que vous avez choisi de ne pas protéger. Vous vous souvenez d'elle, inspecteur? Ou vous en êtes vous débarrassé après l'avoir interrogé? Vous avez la clé de sa cellule. Faites vite ou elle finira comme votre défunt partenaire. C'est, je suis... Oh, ce soir, tu n'es pas désolé. C'est pas vrai, tu n'es pas désolé. Je suis là à cause de vous. Novembre. Oh, novembre, c'est un mois de merde, hein, c'est bon. Hein. On va pas regarder. Il y a une meuf, elle a aimé la vidéo. Mais c'est ça qu'il faut, hein. C'est ça. Mets le logo de ta chaîne Twitch. S'il faut, il y a des gens qui vont te trouver comme ça. Hein. Go tous aimer la vidéo. Go tous aimer la vidéo et mettre un commentaire comme ça, ça... Ça nique l'algorithme. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il n'y a rien, absolument rien. Non, cette porte est scellée, on peut rien faire. On continue. J'espère que le son du jeu est assez bon, que vous n'avez pas de problème à ce niveau. Ok, j'ai une caméra en face de moi. Et des bombes ici. Je passe la porte et je pense que la partie 1 sera terminée. Il sera temps d'aller pisser un coup. Waouh. Mon dieu, il y a un code, des bombes partout. Oh, j'ai 59 secondes. Oh bordel. Rien trouvé. Oh bordel. Le code, il est peut-être là-dedans. Ouvrez la porte. Je sais pas, moi. Il faut que je mette un fusible. Faut que je trouve un fusible. Rien trouvé. Oh mon dieu. Oh, j'ai trouvé un fusible. Il me reste combien de temps? 35 secondes. Oh là là. La pression est intense, là. C'est bon. 9. C'est quoi? 5, 7, 9. Scellé. Allez. 5. Non, non, 5. 7. Oh la vache. What the fuck? Mais c'est qui lui? C'est qui ce cochon là? Est-ce que c'est un vrai personnage là de l'univers de Saw ou quoi? Il semble avoir déjà vu la tête du cochon dans les films, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus vraiment. Ok, point de sauvegarde. Partie 1. Fini.